Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Merci de suivre Critique Info. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, vous êtes nombreux devant vos téléphones. Vous suivez cette émission de partout. Le Congo vient d'écrire une nouvelle page d'histoire. Pourquoi je dis une nouvelle page d'histoire? Vous le saurez dans le développement de cette émission. Il faut rappeler une chose, qu'il y a des débats autour de la nomination du Premier ministre. Il y a d'abord beaucoup de faussetés, beaucoup de rumeurs. La première fausse rumeur, c'est que monsieur n'est pas proposé par Katumbi. Non, il n'est pas proposé par Katumbi et monsieur Sama n'est plus du parti de Katumbi. Il a quitté G7 depuis très longtemps quand on voulait fusionner le parti. Il était déjà parti. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a été proposé par Katumbi. Ça, c'est déjà c'est faux. Deux, on présente ce monsieur avec Kabila dans le passé. Un peu pour dire que c'est le choix de Kabila. Là encore, c'est une fausseté. Ce sont des manipulateurs qui veulent tromper l'opinion. Monsieur Sama a été une fois dans sa vie ministre. Ministre à 37 ans. Il était ministre à 37 ans, ministre sous Kabila. Donc il devait rendre de compte à Kabila, c'était tout à fait normal. Et ces photos sont prises il y a longtemps. Mais très longtemps. Monsieur Sama était ensemble avec Kabila. Ils ont cheminé ensemble pendant plus de 9 mois, ministre à ce moment-là. Donc c'est tout à fait normal que le président de la République prenne des photos avec son ministre. C'est tout à fait logique et normal. Et puis, s'il faut considérer les sensibilités ethniques et tribales, ce sont deux Katangais qui pouvaient parler, se rencontrer dans plusieurs façons et tout. Donc, dire qu'il est le poulain de Kabila, c'est faux. Monsieur est parti de la majorité présidentielle. Il a quitté le bateau de Kabila bien avant. Il a quitté le bateau de Kabila avec Ndoundou, avec les G7. Il a quitté déjà ce moment-là. Et il faut le dire aussi ici, c'est parmi ceux-là qui ont démissionné. Ils avaient démissionné. À 37 ans, il avait déjà le culot et le courage de démissionner. Ce que beaucoup n'ont pas pu faire. La preuve, le Premier ministre a refusé de démissionner jusqu'à ce qu'on le force. Mais vous avez là un jeune de 37 ans qui pouvait suivre un idéal. Il disait non, je ne peux plus continuer. Ils vont glisser, mais ça sera sans moi. Et il a pris le courage. Alors les gens allaient dire, ben, il était entraîné par Katumbi, Katumbi l'a tiré au cou et tout. Oui, mais à un moment donné, quand Katumbi leur a demandé de figurer dans l'ensemble, il a dit non, je garde mon côté, quoi. Je garde ma position. Et il a gardé sa position. Le présentant comme ça, on a l'impression d'un monsieur qui a des convictions. Et c'est ça le plus important. Moi, j'ai suivi son discours.
Du début jusqu'à la fin, je n'ai pas entendu de mots glorieux en l'endroit du président de la République. Je n'ai pas entendu de mots comme sous l'autorité, de mots comme autorité morale, de mots comme sous l'impulsion, de mots comme... On n'a pas entendu ça. Ça dénote un tout petit peu une question de vraiment de maturité politique, mais surtout des convictions. Quelqu'un qui fait des choses par conviction. Monsieur n'est pas un parvenu comme on veut nous faire comprendre. Il a déjà été ministre de Matata Mponyo, au gouvernement Matata Mponyo. Il a été DG de Gécamines, jusqu'au moment où il a été nommé Premier ministre. Mais l'histoire nous rappelle que ce monsieur a été finalement cochonné. Par qui? Par l'ancien ministre de portefeuille, qui refusa de signer sa nomination. Déjà, on l'a traîné comme ça pendant plus d'une année, quoi, traîné. Mais aujourd'hui, la dame et le monsieur sont là, et lui devient leur premier ministre. Une belle leçon d'humilité, quoi. Dans la vie, il faut savoir être humble, parce que vous ne savez pas à qui vous faites du mal, quoi, qui vous... Bossa Mabé. Voilà un peu le petit portrait que l'on peut avoir. Bon, on le présente encore comme le frère de Cécile Kenge. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Je n'ai pas encore vérifié l'information. Mais j'ai appris, comme tout le monde, qu'il serait le frère d'eux. Le monsieur a dit qu'il est né dans une famille qu'avec des filles, c'est le seul garçon. Mais alors, on ne sait pas si réellement dans ces 7 dames se trouve Madame Cécile Kenge. Si c'est ça, bon, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas encore appris. Je n'ai pas eu cette information-là. Bato Bazanango, Balobiango, peut-être que Bango Anabada mieux informé Kenga dans le secteur, ça je le concède. Donc voilà un peu, il fallait quand même tôt épulcher Babilo Kba rumeur avec courir autour de lui, hein, juste autour de lui. Donc là, il faut comprendre que Edaki Penza Yangote. Le choix du Katanga, ça dérange un peu à plusieurs personnes. On dit comment le Katanga peut avoir et la direction du cabinet du président de la République et la primature. Je suppose que ce sont deux entités extrêmement différentes. On ne peut pas les mélanger. C'est comme quelqu'un qui dit pourquoi un DG de la fonction publique est du Katanga et le ministre du portefeuille du Katanga. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Parce que c'est deux entités différentes qui n'ont pas le même enjeu dans la sphère géopolitique. Mais ici, dans le Katanga, la question, elle est cruciale, même si elle est subjective. Le Katanga a un problème aujourd'hui. Elle se sent visée. Elle se sent menacée. Elle se sent abandonnée. Par qui? Par les anciens caciques qui attisent le feu là-bas. Parce qu'il faut le dire. Bato bazo matisa moto, bazo bisa ba katangé wana bango sa désordre que balingi bisoté, baluba wana baye, balingi ba se venger. Balingi ba se venger na biso, ne to sala bango na katanga. Alors ils veulent finalement qu'on mette sa moto wana. Il faut un stratège pour taire le feu. Il faut pour taire ce feu, il faut nommer quelqu'un de là. Comme ça, ils n'auront plus d'excuses. Ils vont dire, oh, bon, Moutoro Lingibuso Tatié, Premier ministre, chef de gouvernement, Moutefa matérialisé, vision naïe. Parce que le Premier ministre, c'est la clé de la réussite ou la clé de l'échec d'un président. L'échec d'un président commence par la nomination d'un Premier ministre. La réussite d'un président commence aussi par la nomination d'un Premier ministre. Quand on avait parlé du casting, la nature du casting détermine la victoire ou l'échec d'un président. Lorsque vous faites un bon casting, vous réussissez. Vous faites un mauvais casting, vous échouez. Et Félix Tshisekedi a déjà un discours en 2023 au Katangé. Il va dire au Katangé, voilà, je fais de vous de mon Premier ministre. Mon Premier ministre vient de chez vous. C'est un natif et pas Nabino Awa. Moi, je suis Akoli Nabino, Azalaki Nabino, Atangi Nabino, Aebani Nabino. Je n'a pas de confiance à matérialiser vision nanga. Donc le Katanga ne peut plus se concerner, ne peut plus se considérer comme enfant abandonné. Le Katanga ne peut plus se considérer comme enfant délaissé. Parce que le Katanga a la plus grande part. Le Katanga a aujourd'hui la part organisationnelle. Kabila, en son temps, ne le faisait pas. On comprend. Parce que Kabila était du Katanga. Ça allait être mal, ça allait sonner très mal qu'ils prennent quelqu'un d'autre du Katanga. Au moins ici, vous avez un premier ministre katangais. D'ailleurs, si on devrait compter les erreurs de l'autre et l'amputer, l'infliger, pardon, na tributo, la province, on allait dire, bon, on passe à autre chose, les Katanga nous a fait déjà voir. Mais là, on a dit non. Malgré les erreurs de Pépé, on va prendre quelqu'un d'autre qui a pratiquement la moitié de son âge, Ayakosa Labakambongo bien. Et on va trouver un choix, moi j'estime, judicieux. Un bon choix. Ça, il fallait quand même le dire. Un autre point très important, c'est la volonté de Félix Tshisekedi de changer exactement le paysage politique congolais.
Là, on nous amène un monsieur qui n'est pas d'un parti politique le plus en vue. Non. Il est dans un parti politique, dans le paysage politique, comme on peut le dire. C'est un ancien député qui a été élu. Et puis après, ministre, il a fait quand même son parcours. Et à 42 ans, 43 ans, on le choisit comme premier ministre. Félix Tshisekedi fait exactement ce qu'aucun homme politique d'un minute ne peut le faire. Matata Mponyo, avec 46 ans, ou si je ne me trompe pas, je crois, si j'ai bien retenu, il avait 48 ans. Matata Mponyo avait 48 ans. Et Félix Tshisekedi va en deçà des 48. Il va à 43 ans. C'est la tendance mondiale aujourd'hui. C'est la tendance mondiale de prendre des jeunes et de les placer là-bas. Alors, la question des jeunes dérange. Les gens disent non, jeunes, c'est défini par l'ONU, défini par l'Union africaine, c'est entre 0 et 15, et disons, entre 15 et 35 ans. D'autres disent entre 15 et 25 ans. Au fait, je ne suis pas l'ONU, je ne suis pas l'Union africaine. C'est eux qui définissent ce qu'ils veulent définir. Pour moi, je me dis, jeune, c'est d'abord un état d'esprit. C'est un état d'esprit basé sur la productivité, basé sur l'innovation, basé sur la responsabilité, sur la capacité de se remettre en question, sur l'anticipation. Voilà comment moi je définis la jeunesse. Je ne définis pas la jeunesse en termes d'âge, parce que l'âge n'est qu'un chiffre. Et la vieillesse, pour moi, c'est la paresse intellectuelle. C'est quand on est fatigué, quand on ne sait plus innover, comme Pepe Ilunga. Oui, là, pour moi, c'est ça, c'est une vieillesse. Mais la jeunesse, en tout cas, on a vu des hommes comme Delano Roosevelt, même sur un fauteuil, c'était jeune. On a vu Kennedy, on a vu Eisenhower, on a vu beaucoup de présidents américains, un peu plus vieux, mais très jeunes, très dynamiques. Kennedy était et à la fois jeune et dynamique. Mais nous avons connu des hommes et des femmes jeunes, mais en tout cas mous. Les champs d'Iran, par exemple. Très jeunes, mais mous, très mous. On ne peut pas imaginer. Le problème ici, c'est notre capacité de résoudre nos problèmes. Alors, ça ne sert à rien de dire tel est jeune, tel est jeune. D'ailleurs, moi-même, je ne me considère pas comme vraiment jeune. Pas du tout. Pas du tout. Si jeunesse veut dire âge, en tout cas, moi, je ne me considère pas comme jeune. Mais si jeunesse veut dire fugace, veut dire sagacité, veut dire travail, veut dire l'envie de travailler, veut dire la passion, oui, là, je veux bien être jeune. Et je le serai toute ma vie. C'est ce qu'on appelle la jeunesse immortelle. Alors, donc, prendre un jeune à son âge de 43 ans, j'estime humblement que c'est un choix judicieux. Mais au-delà du choix judicieux, Félix Tshisekedi appelle la jeunesse, fait un appel à la jeunesse pour leur dire, ben voici, je vous confie une mission. Maintenant, à vous de voir. Vous avez longtemps accusé les vieux. Vous avez longtemps accusé les aînés en disant qu'ils vous ont amené dans une situation, tout ça, ils vous ont. Maintenant, je vous donne un jeune. On verra comment il va travailler. Maintenant, c'est à nous, jeunes, de soutenir un autre jeune pour lui dire, ben écoute, que ça ne soit pas l'âge, tout simplement. Que ça ne soit pas les cosmétiques. Mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons faire des efforts. On veut. On veut apporter un sang neuf, des réformes. Voici ce que nous attendons. Alors, il y a des gens qui me disent, mais comment est-ce que tu ne peux pas critiquer le Premier ministre? Non, mes frères, je ne peux pas critiquer le Premier ministre. Pourquoi je ne peux pas le critiquer? Parce que je ne l'ai pas encore vu à l'œuvre. Et donc, c'est assez important de voir qu'est-ce que nous allons faire en tant que jeunes. Ça ne suffit pas de dire qu'il est à Zanani, à Falranini, à Ganyagi Plasnini, quel est son bilan. Ce sont des questions légitimes, mais sans objet. Parce que le poste de Premier ministre est terriblement différent du poste de DG de Gécamines. Le poste de Premier ministre est très différent du poste d'un ministre du gouvernement. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, vous ne pouvez pas juger les compétences de quelqu'un dans un terrain de basketball et vouloir finalement l'amener dans un terrain de football en le comparant à partir de ses compétences de basket. Ce n'est pas la même chose. Nous ne perdons rien en entendant. On ne perd rien en observant. Observons-le. Moi, je dis tout simplement observons-le. J'avais le même discours pour le ministre Ilukamba. Mais nous avons tous été déchantés, on a vu tous qu'il ne valait pas rien, il ne valait pas grand-chose. Maintenant que nous avons un nouveau Premier ministre, attendons. C'est une joie pour les Katangais d'abord, parce qu'ils ont gagné deux choses. Et la direction des cabinets du président, et la primature. Deux. C'est des raisons valables pour dire, c'est pas que le monsieur ne nous aime pas. Il nous aime, il nous considère. Par ça, Félix Tshisekedi prouve aux Katangais qu'il n'y a personne qui vous aime mieux que moi. Je vous prends, je vous donne tout ce que je peux.
Alors, ne dites rien. Un peu comme Kabila l'avait fait en un temps. Nous, nous faisons... Félix a fait pratiquement la même chose avec une autre province maintenant. Et même pour dire au Katanga, vous n'avez pas perdu. Vous avez certainement perdu le pouvoir du président de la République, mais vous avez tout le reste. Vous avez le gouvernement, vous avez la direction des cabinets. Donc, cette question-là est finalement finie. Alors, comme j'ai répondu à la question d'âge, maintenant, en termes de compétences, quelqu'un veut le juger, à gérer Jekamin. Non, vous ne pouvez pas gérer quelqu'un. Jekamin, une boîte aussi grosse comme celle-là, détruite pratiquement pendant plusieurs années par les prédécesseurs, et juger quelqu'un sur base de moins d'une année. Parce que M. Sam a fait combien de temps là-bas? Je crois moins d'une année ou moins de 18 mois. N'a la tête à Jekamin. Alors vous n'allez pas quand même juger quelqu'un pendant 18 mois ou 17 mois. Le juger, n'a Moussala au baby depuis il y a longtemps. C'est maintenant qu'il est premier ministre qu'on comprendra. Parce que là, c'est le sommet de sa carrière politique. À part primature, on pense à autre chose. Peut-être président de la République, peut-être diriger le législatif dans un bras, dans un de ses bras, le Sénat ou au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, que représente Sama Lukonde? Sama Lukonde représente, à mon avis, de l'espoir. De l'espoir d'une jeunesse abandonnée et meurtrie. De l'espoir d'une jeunesse accusée et d'une jeunesse abandonnée. Il représente cet espoir-là. Il vient d'abord d'une province riche, mais contrastée. Pauvreté, obscurité, brutalité, insécurité, banditisme urbain. Il vient d'une province comme ça. Il vient dans un pays où l'insécurité est devenue monnaie courante. Il vient diriger un gouvernement dans un pays où la pauvreté n'a pour égal que les richesses que le pays a. Alors ce contraste-là, il faut finalement le résoudre. Voici les défis qu'attendent le Premier ministre. Il a si bien dit lui-même, il va composer un gouvernement avec beaucoup de jeunes. Il a dit qu'il va composer un gouvernement réduit, na taille, nango. Il a dit qu'il va avoir un gouvernement qui va finalement se lancer dans un défi prioritaire. Je veux dire, un grand défi. Défi de l'insécurité, par exemple, à l'est de la République. Il va devoir le faire. Tout ce qu'on a comme défaillance en termes d'électricité, en termes d'eau, ainsi de suite, on a tout ça devant nous. Et ce monsieur Sama Lukonde aura le malheur d'avoir succédé à un monsieur qui n'a rien foutu. Il me souvient, rien foutu. Mais quelqu'un m'a fait réfléchir en me disant c'est une vengeance maintenant. Pas une vengeance, mais une revanche. Revanche, Yanini, c'est d'une jeunesse par rapport à Bayene Nabango. Maintenant, les gens vont voir comment les jeunes travaillent, comment les jeunes peuvent travailler. Et la réussite aussi de M. Sama, parce qu'il faut le dire, M. Sama aura un mot à dire au sujet des ministres qu'on va lui proposer. Il aura un mot à dire, il aura un mot d'appréciation. Mais ça va rester un gouvernement du président de la République et du Premier ministre. Ils vont finalement co-gérer le pays sous le leadership et la vision du président de la République. M. Sama pourra dire au président, « Monsieur le Président, voici la ligne que l'on peut suivre. Voici comment nous voulons faire les choses. » Le chef de l'État dira, « Oui, ça on peut aller, et si on ne peut pas aller, voici nos priorités. » Ensemble, ils vont s'entendre sur une politique qui va finalement rencontrer les désirata y a peuple, qui va rencontrer les besoins y a peuple. Bah, qu'on définir en gros ensemble, parce que l'article 68 de la Constitution, 69 et tout le reste, ils doivent définir exactement comment ça se passe. Nous pensons, parce que là il faut le dire comme ça, nous pensons que le Premier ministre comprendra l'idée. Comme il n'a pas une autorité morale, c'est déjà une très bonne chose. On comprend qu'il va vraiment travailler main dans la main avec le chef de l'État. Pas en étant rebelle, mais en étant quelqu'un qui amène les idées du président dans le matérialisme, à matérialiser en gros. Voici un peu, de manière assez brève, ce que je peux faire. Je vous dis, je m'abstiens de toute critique obsolète et futile dans Minuto. Je ne peux pas me mettre maintenant à juger un Premier ministre avant qu'il ne travaille. Je pense qu'il est judicieux de laisser un peu le temps. On le verra. On verra dans son choix. Je crois que le Premier ministre comprendra que son cabinet aussi doit être jonché dans Batomalam.
tu as bien. Le Premier ministre fera un choix. Ici, c'est le choix de la rupture. Comme le chef de l'État fait confiance au Premier ministre, le Premier ministre, lui aussi, doit faire confiance à d'autres jeunes. Mais n'excluons pas nos anciennes statues. N'excluons pas nos vieux. Il ne faut pas les exclure. Moi, je ne suis pas de l'école de ceux qui pensent qu'il faut exclure tout le monde. Non. Je pense que le cabinet du Premier ministre doit finalement être un cabinet réduit, mais un cabinet des hommes et des femmes naïdés à travailler. Le Premier ministre comprendra que le chef de l'État avait fait beaucoup de promesses, mais qu'il n'avait pas un Premier ministre pour accomplir ces promesses-là. Maintenant, le Premier ministre va vraiment s'y atteler. Nous avons besoin d'un Premier ministre qui va exactement faire un peu le tout. Qui va non seulement être Premier ministre, mais qui va contrôler l'action du gouvernement. Qui va véritablement contrôler cette action-là. Ne serait-ce que superviser ça. Ça veut dire que quand le chef de l'État dit gratuité de l'enseignement, nous voulons que le Premier ministre travaille côte à côte avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et peut-être professionnel. Quand nous disons que nous voulons changer le paysage éducatif dans notre pays, il faut changer les choses. Le Premier ministre doit, à ce moment-là, être très en accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire pour qu'ensemble, qu'on puisse définir une véritable politique éducative. Si on dit, nous voulons être parmi les nations de sport, alors le Premier ministre va devoir travailler étroitement avec son ministre du sport. Pour dire, bon, voici comment on fait, quelle est la nomenclature des sports qu'on a au pays? Quels sont les sports à promouvoir? Et quels sont les sports, finalement, qu'il faut stabiliser? Comment faire pour que... Parce que moi, je me dis, ministre des sports dans ce pays, vous avez la responsabilité de faire en sorte que toutes les disciplines sportives s'épanouissent. Toutes les disciplines sportives. Il n'est pas difficile que dans chaque quartier qu'on ait ne serait-ce qu'un terrain omnisport. Il est possible que dans chaque quartier, ou à la limite dans chaque commune, qu'on ait au moins 4 terrains de football avec pelouse synthétique, qu'on ait au moins 4 grands stades, disons, terrains de basketball, volleyball et tout ça. Et dans tous les quartiers, il est possible qu'on donne au moins des tatamis. Nous devons avoir cet espace-là. Et dans nos communes, il y a toujours des espaces que l'on peut affecter uniquement pour ça. Où les enfants viennent faire le judo, le karaté, il faut qu'on apprenne à nos enfants les arts martiaux. Il ne faut pas dire que ce sont les arts des bandits, non. Si nous voulons que ces arts-là aient à la bien, exorcisons ça. Chassons les bandits et les voyous qui ont finalement envahi ces disciplines pourtant studieuses et remplaçons ça. Nous, on se rappelle qu'à l'époque, il y avait des salles de judo dans les universités, dans les écoles, on en avait. On avait ces petites choses-là où les gens venaient faire un exercice. On peut revenir avec ça. Et ça, il faut avoir une bonne politique de sport. Vous avez des sportifs ici qui, n'est-ce pas, portent le nom de la République. C'est eux qu'il faut finalement soit rapatrier, soit faire des choses bien. Un bon concours de boxe nationale, ça peut promouvoir beaucoup de boxeurs nationaux. Vous dites, mettons, on va toujours. C'est pourquoi on dit qu'il faut une politique qui met en cas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, et belé, on va jeune, on va dans mon tout. Dans le milieu sportif. Donc, il y a des choses à faire. Le Premier ministre doit être en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Lorsque le ministère de l'Intérieur dit, Fatshi a dit qu'il allait moderniser la police. Il a dit qu'il allait professionnaliser la police. Comment on fait? On commence d'abord par remercier tous ces policiers qu'on a estimés voyous, bandits, qu'on a estimés inutiles. On le remercie. Et puis nous recrutons des nouvelles personnes avec un salaire assez confortable. Et vous aurez des jeunes licenciés, vous aurez des jeunes gradués qui savent lire, qui savent écrire, qui savent comprendre, qui savent dialoguer, qui n'ont pas peur de français, qui n'ont pas peur des intimidations, qui restent posés, qui ne sont pas des hommes et des femmes embrouillés. On peut avoir ça. Le Premier ministre aura la responsabilité de réorganiser ce pays. Les secteurs de nos frontières, ça c'est avec le ministère de l'Intérieur. On peut avoir des bonnes choses. En fait, moi, je me dis toujours que tout peut bien se passer si le Premier ministre cerne la problématique. Alors, il devra, en ce moment, passer moins de temps au bureau, mais plus de temps sur terrain. Moi, je conseille au Premier ministre de ne pas être un Premier ministre de bureau. Nous voulons voir notre Premier ministre à Injolo. On veut le voir à Kanembayonga. On veut le voir à Ituri. On veut le voir à Bou. On veut le voir dans les forêts de Salonga. On veut le voir dans les forêts des Virunga là-bas. On veut le voir dans les massifs du profond. On veut le voir dans Akabe Akamwanga. On veut le voir en Gandajika. On veut voir un Premier ministre qui se déplace.
Il ne faut pas être comme celui que vous avez précédé, le premier ministre de Kin. Parce que tous les premiers ministres qu'on a eu dans ce pays, à un moment donné, ils étaient les premiers ministres de Kinshasa. Ils pensaient que Kinshasa était le pays, quoi. Voilà, 500 bus pour Kinshasa, 400 bus pour Kinshasa. Quand est-ce qu'il y aura des bus pour Kisangani? Quand est-ce qu'il y aura des bus pour Goma? Quand est-ce qu'il y aura des bus pour Lubumbashi? Quand est-ce qu'il y aura des bus pour Mbandaka? Parce qu'on focalise tout sur le Congo. Le Premier ministre doit travailler étroitement avec le ministre de l'ITPR. C'est-à-dire sur le chemin, on a combien de routes, combien de kilomètres de routes à faire? On va aller mollo. On a combien? 2000, 3000, 5000? Bon, on commence par 3. On commence d'abord par 1000 kilomètres. On fait d'abord 1000 kilomètres. Ici, le problème, c'est d'abord désengorger le Congo. Désenclaver, pardon, pas désengorger, désenclaver le Congo. Et désengorger les provinces, bien sûr. La ville de Kinshasa, bien sûr. Ici, il faut d'abord désenclaver. Lorsque vous faites des routes, comme le président l'a si bien dit, Fatih a une idée, ça je peux vous le dire, de relier l'est de la République au nord de la République. C'est ça la vision de Fatih. Aligné à ça, là que, Motozana est, à qui n'est pas train, à comme un nord, ça dit, ti côté, il y a un Guado, il y a un Guémen, à comme un Kuna. Besoin de Motozana à l'ouest, à l'ouest, à qui n'est pas sud, ou à l'ouest, sud, à comme un est. C'est ça l'idée principale de Fatih. Maintenant, qui va matérialiser ça? Ce n'est pas lui, c'est le Premier ministre. Avec qui? Avec l'ITPR. Bangonde Bakotala, comment on fait? Et puis, on va prendre certains ministres de transport, bon, ça, on est... Ben, les questions convenablement. Et ça, c'est fort un travail. Le Premier ministre doit se battre sur la question, par exemple, il y a ville, il y a Kinshasa, avec tout ce qu'il y a comme embouteillage, tout le reste, Bakotala Yango. Il faut voir comment on va résoudre le problème. Donc, moi, je crois que le Premier ministre a une responsabilité, une lourde responsabilité. Parce que avec clé à échec, la clé à réussite, il y a le président de la République. La chance que ce Premier ministre a, M. Samalou Kondé, chance n'aïe Zakaka Moko. Il a un président qui ne lui fera pas ombrage. Avec la chance Moko, il a un président humain. Un président qui a un cœur, qui peut écouter. On a demandé au président Fatih, nommez ma jeune, faites ma jeune chance. Ah bien, attendez, je vais vous surprendre. Qui pouvait imaginer que le Premier ministre sera jeune? Qui pouvait imaginer? Ah bien, attendez, je vous surprendrai. Il n'y aura pas que de jeunes comme ministre. Je ferai du Premier ministre le jeune, un jeune. Mais ça, c'est une réponse à 100%. Ce que vous pouvez dire, comment voulez-vous que nous soutenions Moutabouete? Au lobby de Kambayoki. L'avantage dans un pays, c'est d'avoir un président qui vous écoute. Qui a les oreilles pour vous écouter? Moutou Yaboué, mon côté les fiti exaté. Mon inaé exaté. Mon pour contredire exaté. Vous pensez que Fatih n'avait pas de vieux autour de lui? Mais il en avait de vieux. Des 60 ans, 65 ans, 70 ans, il en avait. Mais il dit niette. Nous sommes un pays majoritaire des jeunes. Là, Fatih peut devant l'Union africaine dire aux gens, voilà, j'ai respecté la tendance mondiale. En Grèce, ils ont un premier ministre jeune. Ben, au Congo, on a un premier ministre jeune. En France, vous avez un jeune. Bon, nous, on a un jeune aussi. D'ailleurs, moins âgé que le vôtre. Il a un discours à donner maintenant. On va dire, mais c'est le président d'un pays où il y a plus de jeunes. Il dit, oui, mais c'est aussi le pays où le premier ministre est jeune. Nien, débécile. Débécile. Donc, quand il va entrer dans un débat avec les autres pays du monde, le premier ministre a 50 ans, ou qu'on a 66 ans, lui va dire, ben, écoutez, moi, j'ai 44 ans chez moi, 43 ans chez moi. Et le débat est clos. Le débat est clos. Et il ne prend pas un militant des rues, non. Il ne prend pas un militant des rues, il prend un technocrate. Au moins, aujourd'hui, nous n'avons plus un médecin. Il faut le dire, hein. M. Sama, ce n'est pas un juriste. Ce n'est pas un économiste. C'est un chimiste. Alors, comme c'est un chimiste des laboratoires, ben, la spécialité des chimistes, c'est quoi? C'est l'anticipation. Quoi d'autre? Vous voyez? C'est l'anticipation. C'est la capacité de bien cerner, hein, de faire très bien les calculs et aussi de faire un bon mélange. Donc, on a un Premier ministre qui veut finalement faire le mélange entre les compétences des Congolais, l'amour des Congolais, le dynamisme des Congolais, le dévouement des Congolais, l'énergie des Congolais. Il fera seulement le mélange et ça nous donne un développement. Parce qu'il est dans ce domaine, il y a un mélange. L'avantage des chimistes, l'avantage de ceux qui passent tout leur temps dans les laboratoires, ils ont moins de temps de discussion. Ils n'ont pas leur langue à parler. Eux, ils ont les actions et les résultats. Quand vous avez des économistes, des juristes, ils font beaucoup de débats. Ah non, 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 non
Chimie, c'est un mélange qui a gagné. Oyo plus Oyo, c'est ça la boue. H plus X, c'est ça la boue. Tout ça, c'est fini. Et c'est fini. Et ils ne se battent pas dans les langages. Voilà pourquoi vous le voyez assez timide. Il a l'air timide, le Premier ministre. Il a l'air timide, l'air un peu introverti. Mais on va le voir dans les actions maintenant. Voilà pourquoi je vous dis, on ne perd rien. Nous allons attendre maintenant la formation du gouvernement. J'ai bien aimé quand il a dit qu'il sera le 15 mars à l'Assemblée nationale. Il se peut que ce Premier ministre prenne conscience que toi sous la tambinguité et qu'il faut très rapidement former un gouvernement. Au bout d'une semaine, peut-être, pourquoi pas. Une semaine ou deux semaines, bon, il va faire son gouvernement. Et quand il aura finalement présenté le gouvernement au président de la République, le chef de l'État va regarder des noms qui lui semblent familiers ou des noms qui correspondent à sa vision. Il va dire « OET, 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 OET ». Après, quand on aura fait tout ça, on va dire « Bon, maintenant, on a un gouvernement ». Et lui, il a promis de montrer son plan d'action. Il va le montrer. Alors là, sa plan d'action est devant l'Assemblée nationale. C'est vraiment un véritable avantage. Le Premier ministre, 44 ans, bon, c'est un mélange, hein? C'est un vrai mélange. Le mélange de quoi? Des trois générations. Donc, on va dire de trois générations. Génération de la primature avec M. Sama qui présente la jeunesse. Vous avez à l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez encore un président de l'Assemblée nationale qui a longtemps été avec Mobutu. Donc, on va dire que c'est l'ancienne classe. Hein? On va dire qu'il y a l'ancienne classe. Et puis, au Sénat, vous aurez visiblement le président Bahati Lukwebu. Donc, on aura finalement trois générations politiques. Mais deux générations en termes d'âge. Trois générations politiques. Le Mobutisme, la société civile qui s'est convertie aussi en politique avec Kabila, donc Bahati Lukwebu, et la dissidence. Donc, finalement, on a tout ça comme ça et on va voir ce que ça va donner. Ce n'était qu'une première partie de mon point de vue sur Sama Lukonde. Et je crois qu'avec le temps, on apprendra à le connaître. Hein, comme il n'a pas beaucoup parlé, on attendra. Maintenant, la deuxième partie, nous consacrons au caca, dans la tweet de Balobaki. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Salut, je m'appelle Blanchard Mbanzo. Je suis Congolais, vivant ici en Angleterre. Et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons. De cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road freight, le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall. Et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Loye Mbolo Nene Yalisa.